Bien bonsoir, Addison. De retour sur No Man's Sky pour la mort définitive. Je sais plus où j'en suis resté. Je sais pas, je vais voir si je l'ai du coup là. Non, visiblement, il va falloir que j'aille la débloquer. Donc normalement, on a le retour du point de sauvegarde. Ok, je l'ai pas, donc je vais aller le débloquer très vite. Ok, donc on va commencer par évidemment réceptionner. Je vais regarder si c'est. Il y a eu la mise à jour, donc. Est-ce que là c'est toujours buggé ou. Ouais, visiblement il veut toujours pas que je construise en couloir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des sous-fibres, des sous-géodésites, géodésites, condensat thermique, c'est très bien ça, géodésite. Oh, ça paye, ça paye. Alors, il va falloir que je le vide. Il va falloir que je le vide, hop. Oui. Il va falloir que je le vide régulièrement, enfin tout le temps, parce que sinon, j'aurai pas assez de place, il va en foutre partout. C'est pas très plaisant, donc je vais les vider un par un, j'allais revendre les choses. En ce pourcent, ouais, c'est bon. Les fibres, vas-y, géodésite. Ouais, les géodésites, moins 16%, j'aurais peut-être pas dû, hein, ça fait... J'avais pas vu qu'il y en avait autant. Cristal canal, augmentation de stockage, voilà une bonne nouvelle. Ah, cristal, ouais, 22 c'est beaucoup quand même, là aussi c'est beaucoup. Ouais, si je vends tout à perte, ça va pas être cool. On va mettre ça dans l'exo. Le candium activé, je crois que ouais, j'ai assez, donc hop, exo, on ira vendre ça. Ok, on continue. Pardon. Ah, il y en a deux qui sont pas finis. Je les ai envoyés ce matin à 6h du mat. Ça rigole ou quoi? Ok, si tu le dis. Orbe de gravité, ouais, c'est naze. Celle d'azote, oui, c'est utile. Cryopompe, c'est beau. Dessous, l'hémium, on s'en fout. Cube de vortex, enveloppe Corvax. Quelques saloperies. Alors, ça, je garde. Ici, ça me servira forcément. Du coup. Je vais voir pour vendre le reste. Je vais pas m'amuser à faire fondre. Je sais que je pourrais gagner plus d'argent, mais ouais, c'est long, ça me saoule en fait. Donc je vais les vendre comme ça. Tant pis si je perds 3 francs 6 sous, c'est pas grave. C'est pas comme si j'ai 109 millions. J'ai encore quelques frégates à acheter, mais sinon, voilà quoi. J'ai pas de grosses dépenses en prévision. Alors, cube de vortex, ça bouge, orbe. D'accord. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça, très bien. Qu'est-ce qui me propose cryopompe, oui, plus 3,2%, c'est toujours bon à prendre. Ça fait 144 000 en plus. Bronzal, on s'en fout. L'hémium, on s'en fout. Enveloppe Corvax, on s'en fout. Ok. Et j'ai rangé. Est-ce que je peux faire quelque chose?
Moi, je ne vais pas aller loin, je pourrais en fabriquer. Il n'y en a qu'un seul là? Ouais. Je pourrais fabriquer un cryopompe supplémentaire, puisque j'en ai un dans le vaisseau. Non, j'ai laissé dans le cargo? Ah non, je les ai vendus. D'accord. Bon, bah tant pis, on va faire ça comme ça. Du coup, installer technologie, bah t'es gentil, mais j'ai rien à installer, mon pauvre bonhomme. Là, je débute le jeu. Sur cette partie, donc j'ai rien installé et bon, tiens, vas-y, mange. Est-ce que ça fait grand chose? Attends, on va le changer. Attends, voilà. Là, c'est portée hyperpropulsion 157,9. Et si on le met là, ouais, 197. Tu parles d'un truc, ok, donc charmant. Charmant. Ah, bah, entre temps, il y en a une qui est arrivée. Bah, très bien. Alors, bon, sol, cambium, encore une augmentation de stockage, ça fait plaisir. C'est géodésite. Il y en a 7 quand même. Je vais pas les vendre je vais pas les brader par contre. Hop, exo. Exo, là il n'y a rien que je garde. Il hésite, ouais, vas-y, moins 11%, c'est pas grave. Ça on s'en fout, l'hémium. Ah, 600 000, c'est presque, Irox. Ok. On est bueno. Super. J'ai refait déjà mon essence pour demain matin. Le cambium activé, je peux voir, ça dépend. Moins 13%. Ouais, de toute façon, regardez, c'est une toute petite somme. Ok. Et j'ai 3 augmentations de stockage pour mon vaisseau. Bien. Ok. Je vais aller voir dans combien de temps arrive la dernière mission. Alors, dans 4 heures, d'accord. Donc, ce sera pour demain matin. Ok, ça marche. J'en ai monté 2 quand même en S. 35, ouais, c'est pas sublime, mais ouais, en industrie, c'est pas top, ouais. Mais bon, sur cette partie, j'avais pas beaucoup d'argent, les frégates étaient chères, au bout d'un moment, si j'achetais rien, je m'en sortais pas, donc, réfléchissons, donc j'ai des trucs à revendre, mais dans un autre système. J'ai du stockage et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le multi-outil? Il m'a mis la visière d'analyse là-dessus, d'accord. Donc, évidemment, on va pas faire ça. J'en ai qu'un seul de visible, malheureusement. Donc, on va prendre le meilleur de ceux-là, faune 8,9. Et faune 7,2, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci, il va aller là. Voilà, ça sera mieux. Donc on va se faire ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Et puis c'est tout. Comment ça se fait que j'ai pas rechargé? Ça me ressemble pas ça. Pour charger avant de quitter. Ah oui, c'est hier soir, je crois que j'étais fatigué, donc je suis parti rapide. Donc là, je peux pas faire mieux que ça. Ça fera un beau petit scan, hein, 11%, ouais, c'est bien. Alors, le vaisseau. Ah. Pourquoi je peux pas... D'accord, parce que j'ai pas d'ascenseur. J'ai pas les 2 options ici, les nouvelles, parce que j'ai pas d'ascenseur, d'accord. Donc, qu'est-ce qui est... Quoi, j'en ai aucune? T'es sérieux le jeu? J'en ai aucune découverte? Ah
Ah, mais ouais, mais c'est un vaisseau-C, donc je vais en avoir qu'un de toute façon. Ouais, ok. Ah bah ouais, on peut pas. Bah comme le multi-outil, du coup j'en ai qu'un. Ok, ok. Alors la combi par contre, je sais pas du coup c'est dû à quoi. La combi, j'en ai un. J'ai pour l'instant j'ai un bouclier dessus. Je préférerais mettre. Non, pas le bouclier de toute façon. Je préférerais mettre du jetpack. Là j'ai un 230 avec 45, c'est pas mal. Et là, c'en est pas un. Et là, 217. Ok, donc c'est celui-ci qu'il faut mettre. 230 et 45 en distance de course. Ok, du coup, lui il passe là. Et puis bah voilà, c'est tout. J'ai mis le meilleur sur l'emplacement. J'ai rien d'autre de dispo. Ça, je peux le mettre là. Voilà. Ah si, j'en ai un autre là. D'accord, j'avais pas vu. Du coup, ça fait rien. Alors, du coup, on va changer. Mettre voilà. 10 secondes. Qu'est-ce qui pourrait au niveau santé peut-être? Ah, celui-là était déjà balèze, celui-là. Il avait un 80 et 41. Fais voir un peu ce que ça donne si je mets là. 100 et 76, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va changer. Hop, hop, toi je te ramène par là. Toi je te ramène par là. Toi je te ramène par là. Toi je te décale. Lui j'ai essayé de le laisser là, ça m'arrangerait. Alors, technologie S au milieu. Attends, c'est laquelle la crafter? Mais j'en ai un autre là. Je n'avais point vu. Eh oui, mais du coup, ça change tout. Parce que je vais remettre aussi mon jetpack, moi. Alors il y avait 207 et j'avais quoi d'autre? 207, 207 et 217. Mais il n'a pas du cours celui-là, alors que celui-là il a du course. Donc celui-là doit aller là, quoi qu'il arrive. Donc hop, on va tout rapprocher comme ça. Ok. Comme ça là je suis passé en 259 du réservoir, plus 52% de course. Et ici. 57 et 288. Ça va mieux. Donc du coup, ces trucs-là, on se les met là-bas. Je voudrais avoir le froid en haut. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ça, j'aimerais bien. Non, la fusée, je peux la laisser là. 2, 3, 2, 3. Non, ben voilà, c'est pas mal. Là, ça s'est fusionné. Je pourrais le fusionner ici, peut-être. Ça change rien de plus. Ouais, vas-y, laisse-le là. Ok. Donc, ben c'est pas mal. C'est lequel? C'est celui-là qui est suralimenté. Très bien. Et là, j'en ai deux sur le jetpack. Super. J'avoue que ça me plaît. Donc, agrandir la cargaison, oui, parce que j'ai pas d'ascenseur ici, donc je peux mettre que la cargaison. C'est un peu dommage qu'on puisse pas agrandir les deux, mais bon. Parce que là, on voit pas nos technos, quoi. Alors, ouais, mais ça me plaît pas ce qu'ils ont fait. L'ascenseur me dérange. Mais ouais, en même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, quoi? Ok. Du coup, on va aller en bas sauvegarder. Et on va aller tout de suite.
ensuite au Nexus pour aller chercher le point de sauvegarde qui a normalement été remis. Je vais baisser un peu le son, il est fort. Voilà. Donc normalement ils ont remis le point de sauvegarde parce que les joueurs étaient mécontents. Ça a gueulé de partout. Un truc que je voudrais regarder. On peut pas se crafter l'autre truc là. Non. On est vendredi. Ah, il y a la mission de la semaine. On va regarder ce que c'est. Et la récompense. Extinction du multi-outil. Ah, des noyaux larvaires. Ah, c'est dans l'eau ça. Non, je la ferai pas sur cette partie. Pas sur la permadesse. Tant pis. De toute façon, j'avais fait la semaine dernière, mais... Et du coup... Attends. Ah, mais non, c'est pas la mission de la semaine. Non, c'est pas la mission de la semaine. Je vais revenir après. Je pense que j'ai les trucs qui sont décochés. Voilà, vous avez perdu la connexion au service en ligne, donc on va attendre que ça revienne, hein. Et en attendant, on va faire ce pourquoi je suis venu. Ah, si ça se trouve, j'ai pas de module. Ah si, ça va, j'en ai. Alors, je suis parti du mauvais côté, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ok. Ah, ils l'ont mis ici. Par contre, c'est bizarre parce que celui-là, je ne peux pas le crafter dans mon cargo. Donc bon, je vais crafter celui-là. C'est bien qu'il l'ait remis. Je savais qu'il a toujours été là. Le pros de nutriments, non, parce que je le mettrai dans mon cargo, donc je ne vais pas le débloquer ici. Je mettrai la pièce dans le cargo. Ouais. Non, moi j'ai pas besoin de grand chose. Peut-être ce genre de. Non, puisque c'est la protection environnementale. J'ai débloqué celui-là pour la santé, oui. Tout ça, en fait, ça va pas vraiment dans le cargo, donc. Tout ça, j'ai pas besoin de débloquer. Hein. Vas-y, profite-en. 1, 2. C'est pas le 3? Si, 3, 4 et 5. Je n'ai pas les moyens de débloquer les suivants. Ok. Voilà. C'est mon plan principal que je voulais. Je peux retourner. Ouais, je peux passer par là. Plutôt que de sortir le vaisseau et tout, ça ira un poil plus vite. Pas beaucoup, un poil. Pourquoi du coup il y a une tête devant, on n'est pas dans... Je crois pas qu'on soit dans un système pirate. C'est possible, mais... Je crois pas. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Donc... du coup, je veux mettre mon point de sauvegarde, comme j'ai toujours mis dans mes cargos. Ici. Le voilà. Alors, deux plaquages et une gelée, c'est parti. Deux plaquages et une gelée. Alors, c'est quand même bizarre parce que regardez la balise de sauvetage, je ne l'ai pas. C'est pas grave, de toute façon, j'ai toujours mis un point de sauvegarde. Voilà. Nickel, dans tous mes cargos. Il est là. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? Faut qu'on aille en station. Oui, de toute façon, on va y aller. En station, c'est quoi ça? La ferrite magnétisée que je voulais pas jeter parce que j'ai un stack complet, je suppose, c'est ça?
Ah oui, en même temps, 300. Je crois que... Voilà, j'en ai dans le coffre. Je vais pas l'acheter. Les stacks étant tellement petits que je vais pas les jeter. Je vais faire ça et je vais faire ça. Ok. Ah, j'ai des munitions. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'elles sont mes munitions? Là, j'en ai 1971. Ouais, c'est 3000, hein, il me semble. Hein. Voilà, bah c'est toujours ça de moins à fabriquer. Donc, tout ça, c'est pour la vente dans un meilleur système. Là, je suis à la limite, je vends à perte. Et ça, c'est quoi ça encore? Encore de la ferrite magnétisée? Ah non, j'en ai là. Donc ça aussi, ça se range. Et moi, ça, oui, c'est pas grave, vas-y. Voilà, j'aime bien avoir un inventaire propre. Ça, il n'y a pas besoin pour le recharger. Non. Ok. D'accord. Bon, bah c'est bien. Déjà, au scan, je vais avoir un peu plus de sous. Donc, ah, ça aussi, c'est à la vente. Et puis, c'est tout. Est-ce que j'ai des besoins? Oxygène, on est bon. Carbone, j'ai un petit stack. Au pire, je peux balancer 150, ça fait 3. Ouais, bah non. Ça fait 300. Non, donc non. Carbone pendant CG, ce qu'il faut. D'accord, et ici on va fabriquer, je sais plus ce qu'il prend, ben, il prend du carbone. 2, hop, 3, 3, ok. C'est pas plus mal, tiens. D'accord, comme ça moi je vais faire ceci. Ah, c'est vrai que je peux le faire dans le cargo, ça m'évitera des. Ça m'évitera de dépenser du carbone. Voilà, 30 secondes. Je veux pas tout faire. Ah ben non, il fait que 150. Ouais, ben très bien. 150, ça me suffira. Ça fait drôle que ça fasse pas de bruit. Ok. Donc, voilà, 150 et ici, j'ai un peu plus de carbone et j'ai ma mise en place. Bon, ben, on est bien. Donc, on va warper. On va me trouver une petite station déjà. Où j'ai envie de dire normal. Qu'est-ce que ça donne le vaisseau? On est tranquille en bouclier et on est pas mal. Qu'est-ce que j'avais fait là? Ah oui, j'ai zéro emplacement. D'accord. D'accord. Bah, de toute façon, on va continuer. Cela dit. À la quatrième ligne, il va me créer un ascenseur. Ah ben non, j'ai qu'un seul emplacement là. Et j'en ai trois à utiliser. Bon bah, on y va. Allez, go. On va warper n'importe quel système finalement. Je vais quand même prendre des systèmes normaux. Je vais pas faire forcément des systèmes. Parce qu'il y a les missions et tout, je vais pas faire forcément les systèmes pirates. Allez, on y va. Sachant que si je peux trouver un système 3 étoiles, je préférerais évidemment, mais c'est pas l'obligation absolue. J'ai pas regardé si j'ai de l'essence. Visiblement, j'en ai. Alors. Essayer d'aller un peu par là. Visiter.
Super. Tu comptes pas me donner un truc sympa? Des étoiles partout, t'es chiant. Bah non, pas pirate tout de suite. Là, il y en a un. C'est un système riche, avec quatre planètes. Hop! D'accord, ça tombe maintenant. Ça m'arrive souvent sur cette partie. Alors. Donc on y va. Allez, c'est parti. Non, j'ai pas tiré sur le cargo comme d'habitude. Pour un vaisseau S, il est bot, je trouve. Vous voyez, il est carrément rentré à l'intérieur du cargo là. Moi, je rentre pas. Hein. Si c'est pour rester coincé, créer un bug. Ce qui me gonfle, c'est qu'il veut pas changer de. Là, on me tire dessus là. Et il a du mal à changer d'ennemi. Hein. Terminé. Allô, colonel. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. Je pense que c'est le cargo, mais que je suis à l'envers. Oh, c'est. 2, 3, je sais pas si c'est un grand ou un moyen. On va voir, hein, de toute façon. Bah, de toute façon, j'ai. Alors, est-ce qu'il m'a pété une technologie? De toute façon, j'ai pas les moyens de me le payer. 117 millions, même si c'est un A. Ouais, peut-être si c'était un A, mais j'y passerai tout mon fric, quoi. Après, ça vaudrait le coup, c'est sûr. Surtout que le mien, il est moche. Le mien est un A aussi. Ah, le mien est un A, donc il vaut quand même peut-être un peu d'argent. Voyons voir le cargo. Oh putain! Ouais, j'ai pas les moyens. Alors, c'est lequel? 4, 5, 6, c'est le grand. C'est le grand celui-là en plus. C'est celui que j'ai sur ma partie principale. Ah, j'ai pas les moyens, j'ai pas les sous. Échanger, bah oui, 253 millions, ouais, j'en suis très loin. Ah putain, les boulasses! Les boulasses. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, c'est de la haine, hein? Bah je peux pas, je peux pas, j'ai pas l'argent. Même si je vendais. Non, mais de toute façon, je peux pas vendre. Là, je suis dans un cargo, je peux pas vendre tout ce que j'ai. Quoique, en théorie, il va rester là. Mais même si je vendais. Ouais, mais j'ai pas accès à mes coffres. Ouais, tout ce qu'il y avait dans les coffres. Je pense pas que j'ai 100. Non, j'aurais pas 100 millions, donc. Ah, c'est dommage. Mais du coup. Attends, attends, il y a un truc qui m'échappe là. Le cargo, il vaut 295. Ah, et mon cargo, à moi, il vaut que 41 millions. D'accord, ok.
Oui, bah c'est par rapport au nombre d'emplacements. Moi, je suis en 12-23 et lui, il est déjà en 34. Donc, il a 11 emplacements de plus que moi déjà. Ok. Ouais, c'est triste, hein, de pas avoir les moyens de se le payer quand on a le cargo rêvé, quoi. Ok. Bah, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est la vie, hein. Je vais quand même prendre mes récompenses. Mais il est content que j'ai pas pris son cargo. Du coup, j'hésite à continuer à foutre des emplacements dans le mien, quoi. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas développer l'argent pour se payer un nouveau cargo et arrêter de dépenser dans le mien, quoi. Parce que j'en ai quand même mis quelques-uns des trucs, hein. Sachant que bon, les frégates, je peux faire avec ce que j'ai, c'est plutôt pas mal. J'ai de quoi envoyer mes 5 missions par jour. Alors je dis pas qu'une ou deux frégates ça ferait pas du bien, mais sachant que il me faut 245 millions pour pouvoir acheter un cargo S, j'ai la moitié, quoi. Mais en même temps, je fais rien pour avoir de l'argent, c'est trouvable. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Où elle est passée la cloison de cargo que j'ai gagnée là? C'est ce que je... Ah oui, je peux pas l'envoyer sur le cargo, d'accord. C'est ce que je vais faire. Je vais arrêter de dépenser pour ce cargo là. Les emplacements, je vais les garder, mes cloisons. Et puis on va faire du pognon pour changer de cargo à l'occasion. Mais bon, j'aurais peut-être dû y penser avant. Je pensais pas, hein. C'est difficile de tomber sur un cargo S et là je tombe dessus comme ça. Ok. Ah, c'est triste, hein, de le laisser. Mais bon, j'ai pas le choix. Hein. On a pas les moyens, on va pas péter plus vite non plus. On dégage. Ça fait mal au cul. Ok. Bon, ben, allons à la station. Système 3 étoiles, hein. Ok, bon, ben, ok, c'est tristonné, mais... Donc... de l'or dans le vaisseau, d'accord... Ça va dans la combi. Je sais pas ce que j'ai eu. Et là, mode X sur P, c'est quoi? Positron, je m'en cogne. Ok. Bon, par contre, le vaisseau, j'ai dit que je faisais avec celui-là, donc d'investir dans le vaisseau, on peut. Alors, c'est parti. Donc. Mais je pense à un truc. Dans le vaisseau, ça sert à rien que je mette une... Ah, bon, cool. Ça sert à rien que je mette une autre Amelio ici. Parce que de toute façon, c'est un vaisseau C, donc j'en aurai qu'un. Donc ça sert à rien, autant prendre de l'emplacement. On verra, on passera par ici quand il sera autre chose que C, mais je suis loin d'avoir 25 000 nanites pour qu'il passe B. Donc, je vais prendre des emplacements. Ah bon? Ah, j'ai pas le droit à plus, parce qu'il est que en C, même en cargaison. Ah, les bâtards! Les speed bâtards! Ok. Donc, j'ai le droit à rien du tout. Bon, bah, ok, bah, tu te les gardes, mon gars, hein, ils en veulent pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai aussi? Est-ce que j'ai pas un truc pour le multi-outil aussi? Donc ça, du coup, on se les garde. Ils en veulent pas. Et ça, on se le garde. Ils en veulent pas.
Ok. Non, pour le multi-outil, je n'avais pas. Et dans le cargo, j'avais rien. D'accord. Alors, j'ai eu l'emplacement du vaisseau. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai qu'un seul emplacement. Les boucliers, c'est pas la peine. Hein. J'ai ce qu'il faut. Puis j'ai bien vu qu'il me dégomme pas. À la rigueur, et encore, je suis en train de me dire que l'infracouteau, il va très vite. Juste pour voir un peu ce que ça donne ici. 36 et 36 de turbo. Ouais. Ça, j'ai pas besoin non plus. Ça, j'ai pas besoin. Ben, ouais. Je vais mettre l'armement. Hein. 12 824. Et en le mettant là, il passe à 16 000, mais il n'y a pas les technos encore. Voilà, 18 000. Ouais, bah ok. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choix, mais bon. Ok. Du coup, au niveau du multi-outil, je peux me permettre encore donc un S pour le... Ouais, je suis censé garder mes nanites. On va dire que d'en mettre un dernier, quoi. Bim. Donc j'ai des choses à vendre. Les données récupérées, vas-y, on peut les vendre. Ah bah non, il m'en restait que 3, je suis con, j'avais dit les garder pour les coffres. Non mais vas-y, fais-toi du pognon, c'est pas grave. L'or, il dégage. Géodésite, moins 8,5. Ouais. Non, non, je vais les garder. Viking. Non, les augmentations de stockage. Non, non, moins 8, j'essaie de. Je trouve un autre système pour les vendre, c'est pas un souci. Ils veulent pas, ils veulent pas. Ça les intéresse pas, ils veulent pas faire des affaires. On va pas les forcer. C'est beau ça. Alors, monsieur, bonjour. Ouais, je vais te le prendre. Scanner la flore, non. 10 créatures, je prends. Surtout gel de survie, je m'en sers. Et 8 sentinelles, bah oui, surtout pour un module de frégate. Enfin, je m'en fasse des sentinelles. J'ai chié sur cette partie, ça me gonfle. Sur la Permades. Bon, est-ce qu'il m'autorise le cadeau? En gros, c'est des fois c'est oui, des fois c'est non. Oui, a priori, c'est bon. J'ai bien des nanites, que des nanites. Bah, j'ai de survie. 5 gènes de survie, c'est pas perdu. On va descendre sur la planète, parce qu'on va pas faire que de la visite de station. C'est quand même sur la planète que j'aurai le plus de nanites. Après, qu'est-ce qu'on me propose? Ah bah tiens, parlons de nanites. Ah, 316. On me propose quoi? Quelle planète? Une lune, d'accord. Viking, intermittent et données riches, fusion des matériaux. Donc on va aller voir ce que me propose le jeu en termes de planète. Là c'est la lune. Alors, sentinelle agressive, je n'y mets pas les pieds. Les os anciens, j'aurais bien voulu, mais... comment je fais pour, voilà, pour la planète? Irradier... Ouais, d'accord. Planète en réseau. Là, il y a 250 nanites à récupérer sur celle-ci. Il m'en manque là. Là.
Ah, déjà, elle est loin. Hein. Xbox, c'est quand tu veux. Ah, elle est en dessous, d'accord. Généralement, elle était au-dessus, là, elle est en dessous. Bah, j'y mets pas les pieds, en sentinelle agressive, c'est pas la peine. Donc, on va aller déjà sur celle-ci prendre les 250 anites auxquelles on a le droit. Il me semble, hein, planète en réseau, je crois que c'est une planète alien. Et puis après, je vais changer de système. Je voudrais bien finalement farmer des os anciens ce soir pour accumuler un peu de pognon. Bon, on sera loin, hein, pour, je ne ferai pas 100 millions, mais je peux peut-être faire 20-30 millions ce soir, quoi. Et dans ce cas-là, si je fais les os, je déplace ma technologie et je mets le décollage, le carburant, pour en gaspiller le moins possible. Alors, est-ce que c'est une planète alien? Oui, je pense. Hein. Il y a quand même des bâtiments? Attends. Ah non, j'avais vu un truc bleu, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a repéré? Je vois des œufs, donc c'est un bâtiment nanite. Donc ça vaut le coup d'atterrir. Alors, le module, il est où? Je voulais commencer par ça parce que... Alors, on va... Oui, il faut scanner les animaux. Alors, du coup, c'est une planète alien ou pas? Je crois pas. Oui, c'est ça, un seul animal. Il est juste de l'autre côté de la crête. Bien. Hop, on pense directement récupérer les nanites. Voilà. Et en parlant de nanites, on va chercher celle du bâtiment. C'est bizarre que je vois pas de module. Il y a toujours un module ici. Je vois pas pourquoi il n'y est pas. Ok. Alors. Ça, ils ont toujours pas réparé ce bug là. Tu mets en allumé automatique, mais lui il le prend pas. Sur cette partie je suis un rapier, hein. Je récupère tout étant très très cher, bon, sauf ça, faut pas déconner, je vais pas perdre mon temps avec ces conneries, surtout que j'ai des petits stacks. J'aurais des gros stacks à la rigueur, ça irait, mais j'ai des petits stacks, donc même si j'ai pas mal d'inventaire, après c'est chiant, c'est long. Ah, quoique j'aurais pu le faire. Ouais, mais j'ai arrêté de les jeter. Je pourrais le faire dans le cargo. Bon, ben voilà, j'ai tout pris, on dégage. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Là, il y a ça de toute façon. Même pas un module de près ou de loin. Hein. Ouais, bon, ouais, si rien, on va pas stagner ici, on dégage. Alors, on est sur une planète un peu mieux que ça. Là, j'ai été de toute façon venu pour les nanites essentiellement. Pourquoi il lâche comme ça? D'accord, si tu veux. Donc, il y a de l'indium activé. Ouais, mais ça vaut plus rien aujourd'hui. Je rêve où il y a une planète que j'ai pas scannée là-bas. Ah si, c'est la Lune. Bah ouais, c'est ancien. Non, on va chercher autre chose. Je vais chercher un autre système. Je veux bien des eaux anciens, mais pas avec des sentinelles agressives, évidemment. Bah tiens, allons-y, ici au marché noir, il y a quand même des planètes. Alors là, je vais pas jouer avec les modules X. Hein. Surtout qu'ils sont à 600, plus de 600 nanites. Alors qu'en mode normal, ils sont à 330.
Aïe. Il faut traverser les cailloux pour la station. Et je suis trop près. Non, je traverse pas les cailloux avec ce vaisseau-là. On va essayer de les éviter. Voilà. Super. Oui, j'ai pas envie que ça me pète une techno. Quoique, j'ai vu le patch note, il me semble que les... ça abîmera suivant votre bouclier. Donc, bon, bouclier, je suis au max. Donc, quelque part, normalement, je crains pas trop les cailloux. Normalement. Mais je vais pas m'amuser à tester. Alors, il y a possibilité... Alors, attends. Si je tombe sur des VSOS, si je les achète, je perds du fric. Donc, c'est pas bon. Mais je vais gagner des emplacements d'inventaire que je ne peux pas utiliser. Et des nanites, ouais, 1500 nanites, c'est pas non plus la mer à boire, mais je vais perdre du fric. Donc, si je veux du fric pour essayer d'avoir un VSOS, faut éviter d'en perdre. Alors, est-ce que tu me reprends mes choses correctement ou pas? Qu'est-ce que j'ai à vendre? Géodésite, moins 3%. Vas-y, c'est bon, 3%, ça va, faut bien. La moins 12, non. Non, 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 ok. Ah non, mais je sais que ça, si je vérifie, je sais que ça va m'arriver. Hein. Est-ce que j'ai une techno, des technos à reprendre? Oui. J'ai une techno X. Ah, il va pas me la reprendre à 600, si? Ah non, bah il est chier. Il les vend à 600, voire même bien plus que ça. Il me les reprend à 383. Casse-couille, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Celle de sang, maintenant. Ok, il n'y a rien. Par contre, ouais, il y a des sous, hein, mais bon, ça vaut pas le coup. Si j'y perds mon vaisseau, à la rigueur, une mission de livraison, ça aurait pu le faire, mais là, il n'y en a pas. Non, faut pas que je regarde. Faut pas que je regarde. Si je tombe sur un vaisseau S, je vais faire quoi? Ok, bon. La station, il n'y a rien pour moi. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il me propose comme planète. J'avais Cactus Indium activé. Je peux regarder s'il y a une frégate. Mais en même temps, je sais pas s'il me faut que de l'industrie. Et justement, il me semble que c'est une industrielle, celle-là. Oh, 19 et 3. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Ah oui, une soutien, je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Du coup, en carburant, elle est pas mal. Après, elle est pas très chère, elle boit rien. Non, mais non, j'ai pas besoin de soutien pour l'instant. J'en ai plusieurs. Et pour l'instant, elles me font ramer dans mes missions, quoi. Elles sont bien en soutien, mais elles ont rien dans le bide, donc du coup. Industrie 19, c'est pas terrible. Ah, par contre, il y a moins 2% de durée d'expédition. Ouais, mais non, ça me... 19, elle va monter à 27, 28 grand max. Donc, et ça y est, je suis perdu, je sais pas où je dois aller. C'est dingue, ce jeu. Voilà, je sais pas lesquelles frégates j'ai faites, lesquelles que j'ai pas faites. Pff, ça me bouffe. Ça me tue. Ouais, ça se trouve que c'est la première que j'ai vue, je sais pas. Bah oui, c'est la première que j'ai vue. Ok. Bon. Ça me saoule, cette histoire de frégate. Je comprends pas que personne... Ah mais non, j'allais vers une planète. Je suis allé à la station déjà, je suis con. Alors, qu'est-ce que le jeu me propose? J'ai scanné...
sentinelle agressive. Oh, il y a trop d'eau là, à mon goût. Planète gelée, j'aurais pas dit. Planète torride, ouais. Ça me dirait bien qu'il y ait des eaux anciennes sur cette planète. Pyrite, sodium. J'aurais pu récupérer un peu d'indium activé, mais. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a que dalle. Hein. Je l'ai faite, celle là-bas. Bleu Outre-mer, ouais. Ok, bon non, on va pas aller dans ce système là. Il n'y a pas de planète qui m'inspire et puis il y a de la sentinelle agressive. Tant qu'à faire, je veux passer un bon moment, quoi. Et allez, une belle soirée, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, ouais, florissant, très bien. Ah merde, j'ai vu qu'après une fois appuyé sur le bouton, il n'y a que deux planètes, je crois. J'ai des boules pour le Carlo S. Putain. J'ai la haine. Alors, moi j'ai pas regardé le nombre de planètes, mais quel con. Radioactive, ouais, il y a de l'uranium. À la rigueur. C'est la même, c'est ça? Elle est peut-être derrière l'autre. Ouais, je vois rien. Bon, on va passer à la station. Ouais, il n'y a que deux planètes, donc il y a l'autre, elle est derrière. Ah, on va passer derrière, on va aller voir. Je vais juste la scanner. Où est-ce que t'es? Ah non, c'est la radioactive, elle est où là dans l'autre? Ah, elle est là. Alors, parle-moi. Planète tempérée. Ouais, mais il n'y a rien d'autre qui m'intéresse dessus. Ça m'aurait pas déplu, notamment pour faire la mission animaux. Mais bon. Je suis pas sûr que j'en ai beaucoup en plus des missions animaux. Oh, je sais pas. Je regarde. Ok, qu'est-ce qu'on a? J'en ai quelques-unes. Créature. D'accord, j'ai pas de. D'accord. Et j'ai de la sentinelle. J'ai pas de. Comment ça s'appelle? De prédateur. Je crois que j'ai une prédateur. Technologie S de scanner, et puis après j'arrête de gaspiller des nanites. Enfin, gaspiller, c'est pas du gaspillage, mais. J'arrête d'utiliser des nanites. Pour pouvoir monter. Metal chrome, câblage. Oh, plus de 18% de câblage. D'accord. Et tu me les reprends mes affaires ou pas? Moins 10%, non. Ok, je les garde, c'est pas un problème, je vais les retrouver, je vais les vendre. Donc, bananite. Ouais, je regarde par habitude un peu ce qu'il y a.
Spirit Epigneum. D'accord. Bonjour, monsieur Voslus. Qu'est-ce que tu proposes? Emplacement. Ah non, non, bah non, pas cette mission. Les 15 créatures, je la prends. Tu es 10 créatures, je la prends. Tu es 8 sentinelles. Ah, j'en ai déjà une, donc je vais la prendre. Ah, dommage, il y avait un inventaire de stockage pour nourrir des sentinelles, mais j'ai pas le niveau. Il y a une chose qui me dit qu'il va rien me donner, lui. Si ? Ah, si. Je veux que des nanites. Bon, ça marche pas. Ah ! Lui, je vais lui parler. Salut, noble voyageur. Ah, mais c'est vrai qu'il va falloir le payer en nanites. Il va peut-être me les donner finalement. Il va peut-être me donner 100. Non, il ne les donne pas. Non, et moi je dois les payer 250 nanites. Hein. Ça fout les boules. Ouais, bah oui, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. De toute façon, je vais les récupérer. Je vais les récupérer à la tombe puisque je récupère une. Je récupère une technologie, après ça peut être une C, donc attends, je vois qu'il y a des frégates ici, on va jeter un oeil. Surtout que c'est une industrie, je crois. C'est pas terrible. 8 tonnes et en plus 4 millions, elle est pas donnée. Non, ça c'est une commerciale, donc ça ne m'intéresse pas. ...17 non plus, ça ne m'intéresse pas. Ok, merci, au revoir. Du coup, j'allais faire quoi? J'allais vers la planète. Ah, il y en a d'autres, des frégates, là Ah ben non, c'est une commerciale. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Planète radioactive, Racing Gamma, ouais. Et on a combien de planètes là sur le système? Ah bah oui, que les deux. Et donc, et l'autre planète, je sais plus si je l'ai scannée. Là-bas. Ah mais on s'en fout, il faut que j'aille à la tombe. La tempérée, bon bah ok. Allons-y, on va voir si on peut faire les missions animaux et sentinelles en même temps. Même si ça me saoule, les sentinelles, mais bon. Au bout d'un moment, je peux pas. Sur ma partie principale, je peux me permettre de refuser, on s'en fout quoi. Mais sur celle-là, c'est difficile de refuser des trucs quoi. Le jeu il me donne pas tout et puis quand il me le donne c'est cher donc. Attention à tempérer. Voilà. Faire attention parce que il y a souvent des tempêtes. Alors. Ah mais c'est pas une position approximative, c'est la vraie position. Bah tant mieux. Ça m'arrange. Oula, oula, on voit sous la jupe. Donc là, je vais récupérer un glyphe et je vais récupérer une technologie en même temps. Oh, t'as une drôle de tête mon bonhomme. Ok, un glyphe plus un fragment de mémoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Plante consciente, non. Ah oui, alors on va quand même scanner de l'animal, hein, ça fait de l'argent. Ça fait même beaucoup d'argent en peu de temps. 300 000, on va pas se plaindre.
Est-ce qu'ils sont? Attention à qu'elle ne pète pas une... Voilà, il y en a plusieurs. J'ai pas envie qu'elle me pète une technologie. Deux animaux sur 10. Et deux, trois. À tempérer, qui dit tempérer dit de l'eau, qui dit eau dit poisson. Ah oh ! Je suis tombé. Quelqu'un m'a éjecté. J'ai pas compris ce qui s'est passé. D'accord. J'espère que je vais pouvoir appeler le vaisseau parce que pour remonter là-haut, bonjour. Ils sont coriaces, ces cons-là. Ça, c'est un prédateur, ça. Je l'ai eu sur une autre partie. Je suis désolé, hein, j'ai aucun plaisir à vous flinguer, mais j'ai mission à faire, moi. Faut peut-être éviter de gaspiller les munes. Putain, mais ils sont coriaces! C'est qui gueule, je crois que quelqu'un est en train de m'attaquer. Je t'ai vu. Hein. Tapis dans l'ombre là. Hop, il y a notre bestiole. J'espère que ouais, j'ai de l'essence dans mon vaisseau, que je puisse l'appeler. Elle est où? Elle est où celle qui n'était pas scannée? Là. 46 mètres. Ça. C'est un prédateur, ça. Tu le boufferas plus tard. Oui, ils veulent choper pour le bouffer. Oh là là, les plantes. Les plantes, la plaie. Oh, je vis comme un porc. Putain. Tous les oiseaux ont été scannés là. Ça, je veux. Bah, mon vaisseau est là. Je suis tombé d'une montagne. Moi, j'ai fait le tour, visiblement. Comment ça se fait? Ah, quand même. Je vais pas faire que ça toute la soirée non plus. Attends, je vais mettre à l'abri. Je vais checker mes missions, savoir où on en est. Alors, rare terrestre, rare sous-marin, 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 et sous-marin. Ah oui, 1, 2, 3, 4, il y a 4 poissons et il me manque un terrestre.
pense que j'ai validé toutes mes missions. Non, pas celle-là. Si, si. Je vais sortir parce que ça crée un bug. Assaut. Ah non, il me manque 5. Ça s'appelle se faire tirer dans le cul. Hein? Ah, il y en a un à scanner là. Il est où? Super. Là, c'est le terrestre qui manquait. Donc, il manque les 4 poissons maintenant. Il m'en manque un, il est à combien de mètres lui? 30 mètres. Il m'en manque un, je crois. Et 5. Normalement, c'est bon. Donc là, on récupère le vaisseau. On essaie de trouver de l'eau pour choper les poissons. Si c'est possible. Le vaisseau, il est où? J'aurais dû en profiter pour faire des... Oh non! J'avais pas pensé que mon vaisseau C, il allait bloquer sur le stockage comme ça. Ah, c'est malin, hein, ça te force à fermer les nanites pour le passer en modèle supérieur, quoi. Mais bon, 25 000 le premier palier, ça va faire mal, hein. En temps normal, c'était 85 000 en tout pour passer de C à S, mais là, ça va être beaucoup plus que ça. Oh, ben, très bien, il y a de l'eau ici, ça m'arrange. Ça va, tu te fais pas chier là?
J'ai vérifié, mais je crois que c'est à... Non, je vais pas le prendre. Je sais plus si ça s'appelle les sentinelles ou pas, même si j'ai des sentinelles à faire. Que la flotte serait plus près que ça, et en plus c'est un tout petit étang, ça m'étonnerait que je trouve du poisson là-dedans. Ah, je suis en extrême tempête en plus. Ah, putain. De toute façon, j'ai commencé là, j'ai continué pour les poissons. Faut attendre qu'ils apparaissent, s'il y en a. De toute façon, normalement, je peux résister sur l'extrême tempête. Il y a zéro poisson là dans le truc. T'es pas cool le jeu. Bon. Mais il n'y a plus de tempête. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah si, d'accord. On n'est pas touché à la tempête quand on est dans l'eau. En tout cas, il me trouve zéro poisson. Ok. Allez, vaisseau, on dégage. Non, on dirait qu'au fond de l'eau, il ne compte pas en tempête. T'es scanné celui-là? Bah oui. Non, je l'avais pas vu. En même temps, il est très gros celui-là. Bon, je vais essayer de me trouver une étendue d'eau un peu mieux que ça. Oh là 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 là, le cauchemar! Allez! Ah, c'est le jeu, hein. Moi j'ai le doigt appuyé. Ou c'est soit le jeu, soit la manette, mais. Moi, je fais comme d'habitude, hein. Là je viens de faire un lanceau, ça a foiré. Ok, du coup je vais faire ma deuxième capsule, ça sera fait. Il y a 4 secondes. Oh, on y voit que dalle. On va tirer en douceur. Qui venait m'attaquer lui. Qu'il y a la tempête là, un peu difficile à voir quelque chose. Là, on dirait qu'il y a de la flotte, oui, il y a de l'eau. On va s'arrêter là donc. Pas comme si je payais l'essence. Allez, go, tempête!
apparemment, je ne suis pas touché par la tempête dans l'eau. Ouais, je restais pas loin de ça. Quand vous voulez, les poiscailles, là. Mais toujours un petit temps à arriver. Ouais, va falloir respirer. C'est parti. 1. Ça peut aller vite comme ça peut aller. 2. Allez, prends-le avant qu'il disparaisse. 3. Oh, j'ai plus d'air. Préviens pas surtout. 1 seul. Ah, c'est toujours comme ça, mais un poisson rare en gros. Soit le carnivore, soit le petit crabe. C'est rageant. Toi, je regarde ce qui me manque. Ok. Le vaisseau, il est où? Là-haut. On va analyser ça, on va voir où il est. S'il y a des indications. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte le jeu? Ah, c'est rageant, quand même, Justin. Rare sous-marin toujours actif. D'accord. Donc, il n'est pas censé être si difficile à trouver. Après, peut-être qu'il est dans une étendue d'eau plus petite que celle-ci, quoi. C'est possible aussi. Ok. Une frégate quelque part. Hein. On va essayer de se trouver notre étendue d'eau. On monte. Ouais, que j'évite de cogner quand même. Là, il y a plein d'eau. Très bien. Voilà, il va falloir trouver. Une petite île au milieu, ça serait pas mal que je puisse me poser. Là, très bien. Oh, ça m'a pas l'air d'être très profond, ça. Oh, si. Allez. On va le trouver, allez. Je suis confiant. C'est trop tôt, hein. Les animaux n'ont pas apparu encore. Ouais, ça sert à rien de que j'aille très profond vu que j'ai pas de quoi. Ah, j'ai vu à travers l'eau, j'ai vu des frégates là-haut. Alors, c'est bon, ils arrivent, les poissons. Les poissons, les petits poissons. Allez. Là, le carnivore. Ok. Ah, 10 en plus, ça va payer un peu. J'ai pas regardé combien c'était. J'ai fait les missions animaux, il n'y a que les sentinelles que j'ai pas faites. Dans l'absolu, ça serait bien. Je vais essayer de me trouver un bâtiment, ça serait bien si je pouvais me faire les sentinelles.
sauvegarde, je prends mes nanites. C'est combien? 2500, cool. Cool. J'en profite pour prendre celle-là aussi. Ok. Je vais re-sauvegarder. Allez, go. Essayez de trouver un bâtiment pour voir si je peux choper des sentinelles. Pouf, j'ai failli shooter l'oiseau. Si on a un bâtiment dans l'eau là, il y a quoi? Ouais, on a un bâtiment dans la flotte. Qu'est-ce que c'est? Une sauvegarde. Oh non, tu touches un caillou, toi, t'es costaud, toi. Il y a un caillou dans l'océan, j'arrive à le toucher, moi. Ouais, même s'il y a des... Oh, s'il y a des nanites là... Oh, il y a de quoi atterrir, allons-y. Qu'est-ce que c'est comme bâtiment? Ah, un holoterminus. Je l'avais pas vu. Il est grand pourtant, mais je l'ai pas vu. Ah, parfois il y a des sentinelles autour. Encore? Ah, il y a une sentinelle derrière moi. Le problème, c'est que là, pas tellement d'endroits pour... Ah si, attends, j'ai une idée. Elle est où? Elle est par là, devant moi. Elle est là, mais je la vois pas. Elle... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je vais voir un truc. Si je me cache là-dedans, est-ce qu'elle me voit? Moi, je vais faire ça. Oui, je sais, c'est... C'est pas que je suis lâche, c'est que je suis en permadeath, donc j'ai pas envie de mourir bêtement. J'ai accepté la mission, donc c'est à mes conditions. Vous voyez, je suis quand même pas super super outillé non plus. Oh, je sais que tu es là. Trois, je pense qu'il m'en faut que j'en tue 8. Une mission, je crois que j'ai 2 missions de 8 et 2 missions de 4. C'est pas moi. Sur des toilettes. J'ai le roi d'Inch, non? Ouais, c'est tout, j'en ai gagné qu'un. J'ai gagné quoi d'autre? Je ne sais pas. J'en suis à combien? Mais j'ai pas perdu sentinelle, je me protège de la tempête. Nuance. Je suis comment niveau munitions? Ça va. Ah, l'autre, elle la soigne en direct. Du coup, j'ai pas... Je sais pas où j'en suis.
sur 8. Non, regardez pas, c'est pas moi, j'étais aux toilettes. Le problème, c'est que la petite, celle qui guérit, ça fait 7. La petite qui guérit, elle donne pas de cadeau, quoi. Et ça vous chie, hein. Et on voit à travers la porte. Ouais, pardon. Oh, il est carbone, non. Ouais, comment ça se fait que là je suis à 8? Pourquoi la mission est... On m'annonce pas mission terminée. Ouais, c'est juste que ça rame. Souvent comme ça en sortie de mission. Ouais, étape de voyage avant. Endurci, ouais, je suis endurci. Alors, ça y est, mission. Détruire l'ennui, audacieux, raid mauvais. Acte agressif. Acte explosif. Ouais, c'était que des missions de 8 alors que j'avais, d'accord. Je croyais que j'avais des missions de 4. Donc, ça veut dire que... Là, c'est bon. 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 Super. Mes émissions sont bonnes. J'ai plus rien à faire ici. À part prendre. Los modulos et los nanitos. Donne-moi une techno, s'il te plaît. On y demande gentiment et donne. Visiblement, j'ai pas été assez gentil. Ok, c'est quoi ça? Relique sous-marine. Non, mais j'ai tout. Alors, on dégage. Je vais juste faire la sauvegarde. Ah, j'aurais bien pris ça, mais il y a les sentinelles qui tournent autour. Pas me prendre la tête. Sauf si elle me lâche un peu la grappe, mais... Voilà, c'est pas moi. Allez, change de système, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai pas vérifié mon gasoil. Ah, j'adore quand il y a plein de missions à rendre. Surtout que maintenant ça va vite. Avant c'était le cauchemar. C'était genre presque 2 minutes pour rendre une seule mission. Maintenant, c'est cool, ça va vite. Alors, deux planètes, Corvax. Ah, déjà, il y a beaucoup d'eau. Planète verdoyante, ouais, c'est sympa. Et encore beaucoup d'eau là. Punaise. Et planète humide avec des sentinelles agressives, tant qu'à faire. Sinon, c'est pas drôle. Ah, il y a encore plein de frégates là, à vendre. C'est pas une combat ça? Je vois pas. On voit pas bien. Oui, c'est une combat, c'est ça. Ah oui, mais non, j'ai pas besoin de combat, mon bon ami. Ah, je vois rien du tout. Peut-être une industrie. Ou une soutien, peut-être. Dans une industrie, les stats très très moyennes, aucun bonus, donc non. Je prends pas. Et les autres, elles sont où? Tant
attention, il m'a retourné, donc il faut que j'aille vers la gauche après. Soutien, coup de l'expédition, 2% en durée. Ah oui, elle ne boit que 3 tonnes. Ouais, ça vaudrait le coup, mais j'en ai pas besoin, quoi. Pas tout de suite. Hein. Peut-être plus tard, mais pas maintenant, quoi. J'avoue que là, ça m'arrange pas du tout. Il en reste une par là, mais du coup, je sais pas où elle est. Bon, tant pis, on est à la station. Ah, j'espère qu'il y a des bonnes récompenses à toucher, là. Faut que j'en, hein. J'ai plein de bordel dans mon inventaire. Hein. Po. Oh, c'est naze. T'as moins de techno, putain, de jeu. Ah, au fait, ça, c'est quoi? Voilà. Unité. De quoi? De souffle destructeur. En théorie, j'aurais besoin, mais... Non, je préfère les nanites. Je vais la revendre. Ouais, mon souffle destructeur, on a vu, hein, il est pas si mal que ça. Donc, on va le voir, on va revendre ce qu'il y a à revendre. On va lui dessiner un scanner. Non. Et ben on va s'en passer. Pas de nanite, hélas. Alors, la boutique, on y va. C'est parti. Vendre. Les données récupérées. Oui, vas-y, tu vends. J'ai plus besoin. Manure, ça dégage. Enveloppe Corvax. Pas trouvé un système pour les revendre. Oh là là. Vas-y, ça me saoule. Je vais pas attendre, ça me gave. Vas-y, la chair, on s'en fout. Micropoids, j'en veux pas. Ça et ça. Voilà, c'est du propre. Est-ce que dans le vaisseau, il y a des choses? Non. Maintenant, on fait voir un peu ce que t'as. Du câble à... Oh, plus 50%. Bah non. C'est surtout pas. J'avais cru voir moins 50%, mais non, c'est du plus. Ok. Et ben on va s'en passer. Alors. Ouais, bah ouais, il faut prendre. J'ai pas envie de le faire, mais. Sur cette partie, il faut pas que je joue les empressés comme je peux faire sur ma partie principale. Il y a toujours un qui merde, hein, oui. Là, chaque chose en son temps. Là, si j'avais fait un peu d'argent cette semaine, hein, j'aurais pu me payer le cargo. Là, je l'ai un peu mauvaise. Allez, retour de mission. Alors, multi-outils. Oh, j'en ai déjà deux, j'en ai déjà trois. Non, je peux pas. Je peux pas. Multi-outils, module de frégate, bulletin de défense, multi-outils, gel de survie, module de frégate, données, hyper noyau. Ah, j'ai pas eu un... Incroyable, j'ai pas eu un seul pognon, j'ai pas eu un seul nanite. Module de frégate, ça serait plutôt bien. Tuer 3 sentinelles, non, la récompense est naze. Le prédateur, j'apprends parce qu'elle se fera toute seule. Ça, j'ai pas envie. Scanner les minéraux pour un module de frégate, ça vaut le coup quand même. Hein. On va se la faire. Est-ce qu'il va me donner quelque chose de Corvax? Donne-moi des nanites. Du coup, je sais pas ce qu'il m'a donné. Non, il m'a donné des sous. D'accord.
Bah, c'est bon pour nous aussi, c'est sûr. Scanner les minéraux. On va où ? Quatre planètes. Alors. Et j'ai scanné. Qu'est-ce qu'il me fait le jeu là ? Planète bleue perdue. D'accord. Planète morte, bah, de toute façon, sentinelle agressive, je n'y mets pas les pieds. C'est celle-là que je veux aller en plus. Ah, j'ai bougé, bah oui, j'ai bougé, alors elle scanne pas. Site de sondage, moisissure fongique, une guillaume activée, d'accord. On va aller au soleil, tant qu'à faire. Ah, alors par contre, oui, extrême tempête comme ça, si je peux récupérer des cristaux, ça se vend bien, mais je vais pas tirer pour un seul, je veux bien un petit paquet de 4 ou de 5 là. Ça, je suis preneur. Là, il y en a que 3, et vas-y, j'atterris quand même. Ah putain, bouge, où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas, je les vois pas, je les vois pas, je les vois pas. Là. Alors que la tempête va être finie au moment où j'arrive. Non, c'est bon. Vas-y, ferme ça. Ferme, 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 mon gars, ferme. Ça, ça se revend très très cher. J'ai de quoi résister à la tempête, donc... les animaux après, vas-y. Ah, c'est plus long que je croyais. Waouh. Il est plus loin que j'avais cru. Wow. Ah, j'ai déjà été pris comme ça dans la tempête. Je me souviens. Bon, là, je panique pas parce que je sais que... Par contre, le bouclier est morphe. Ah, il faut que j'arrive au sol. Ah, d'accord, même au sol. D'accord. Donc, en gros, faut pas que j'arrive au sol. Ouais. Oh là là, dégâts critiques. Ben oui, mais... On peut pas me charger le bouclier. Comment tu veux que je recharge? Je bouge pas. Ça va se recharger tout seul. Ça se recharge pas. Hein. Non, j'ai rien à faire. Hein. Et puis la tempête est finie. Voilà, le bouclier se recharge, mais la tempête est finie. Super, j'ai pris une claque au passage. Bon bah ok. Ok, allez, vas-y, on scanne les animaux. Ils sont tous de l'autre côté, évidemment, sinon c'était trop bien. Ça, je pense qu'il y a des chances que ce soit un prédateur.
Dans le doute. Ah, peut-être pas. Reviens, je t'ai tué pour rien. Qu'est-ce que c'est qui file si vite? Ça, c'est un prédateur, sûr. Il court après une bestiole, il est où? Bah, le problème, c'est que quand il court après une bestiole, il la bouffe après. Touche pas. Est-ce que c'est prédateur, mission prédateur terminée? Très bien. Du coup, j'ai pas vu le nombre d'animaux où j'en suis. Là, il y en a que j'ai pas scanné. Oh, ça aussi, je pense que c'est un prédateur, non? C'est un félin, ça. J'ai toujours pas regardé à combien d'animaux j'en suis. D'accord. Le ciel que ça donne. Ouais, ça c'est sûr que c'est les prédateurs, ces petits félins, ça. Fini à bouffer pour moi. Extraire des baies. Frigopard. Bon, on en est où au niveau animaux? Ah bon, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Commun terrestre, principalement diurne, rare terrestre toujours actif, rare terrestre, et un volant de jour. Ouais, donc ça devrait être jouable. Ça devrait être jouable. Et c'est des terrestres, il n'y a pas de... Des terrestres volants, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Des souterrains. Oh, il a une drôle de tête celui-là. Il n'y a pas de souterrain, donc ça ne devrait pas être si compliqué à voir. Mais il faut les prendre en journée, du coup. Donc on va retourner près du vaisseau, si je le retrouve, là-bas. Attention à la plante dangereuse à droite. Quelle heure il est, hein? À 21h la nuit, ouais. On va prendre le vaisseau, on va décoller. J'avais été loin finalement. Vas-y, c'est bon, je vais pas me prendre la tête. Pour si peu. Oh là, ça déconne les boutons. Eh oui, tu l'as déjà dit. Tais-toi, tu me saoules, la dame. La dame. Allez, on va en journée. Où est le soleil? Mouais. Il n'y a pas de soleil? Peut-être par là. Donc il y a un volant. Un volant et les autres en terrestre. Ok, allez go. On y retourne. Et puis, je suis là pour scanner les minéraux, j'ai pas scanné un seul minéral. D'accord. Oh le boulet. Oh, il y a un cargo écrasé. Voilà. Il paraît que il y a des nouvelles récompenses. J'ai vu Ashtur, il a joué, il a eu des trucs qui volent un peu d'argent, mais bon, c'était pas significatif. Bon, on va aller voir par nous-mêmes. Hein. Ah, qu'est-ce qui est chiant à me remettre là-dessus? À condition que j'ai ce qu'il faut pour ouvrir.
Non, j'ai dit que j'en veux pas. Des données récupérées. Ouais. Deux en plus, hein. Donc tu étais pas super foulé sur ce coup-là. À ce point. Ouais, c'est toujours les mêmes récompenses, c'est de la merde. Ouais, je sais, tu l'as déjà dit. Ok, on laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour trouver, j'ai un volant et 3-4 terrestres à trouver. D'accord, on va s'éloigner. Je ne sais pas pourquoi j'ai déposé au cargo, je sais qu'il n'y a jamais rien autour du cargo, il n'y a même pas de module, il n'y a, que dalle. Dépôt étrange, on va aller voir ce que c'est, tiens. Est-ce que j'ai de quoi appeler mon vaisseau si besoin? Oui, largement. Je sais jamais ce que c'est que les dépôts étranges. C'est des boules de chlore, non? Ouais, mais c'est ça qui donne des nanites. Je sais jamais. Je vais voir avant. Ouais, ça donne. Oula, ça donne énormément. On va voir un peu ce que ça donne. Il m'en a foutu plein l'inventaire, hein, frère. Après, ça dépend de ce que ça donne. Ah oui, en effet, ça donne des nanites. C'est cela qui donne des nanites. Du coup, ouais, 150 nanites. Ouais, ça vaut le coup, quoi. Ah, c'est ça qui farme l'autre là. Je sais plus qui, comment il s'appelle. Ah bah oui, je me souviens de l'icône icône jaune avec les trois et. Ouais, tempête en approche. Je suis obligé de casser la pierre pour récupérer le dépôt étrange. Ok, ouais, pas d'autre. Allez, si c'est extrême tempête, ouvre-toi, je suis devant. Et quand tu veux. Allez. Allez, par contre, il va falloir que je me méfie à pas qu'il m'envole. Faire un petit save. Peut-être que si j'utilise pas mon jetpack, je vais pas m'envoler. Bon, je sais pas si je l'ai pris, ça me saoule. Je vais voir si. Eh, lui, j'ai pas scanné, ouais. Il y en a d'autres là-bas que j'ai pas scanné. Je vais voir si je reste au sol, je vais essayer de pas utiliser le jetpack. Avec un peu de chance, je vais pas m'envoler. Ça, c'est un prédateur, ça. Parce qu'il y a quand même des prédateurs. Je suis étonné qu'ils m'attaquent pas. Ouais, je vais peut-être pas utiliser le jetpack, mais je vais bien courir quand même. Ok. 202, c'est un poil loin. Ouais, bah c'est pas mieux. Là, c'est pire. 319. Ok, on va aller là-bas. On voit deux. Ah, je tente. Hein. Je tente le jetpack. Oh, pas dans le trou. Ok.
Ok, qu'est-ce que tu me proposes? 300, ça fait loin, 300. Ouais, c'est pire. J'ai que du 300, quoi. Bon, ben, on sort du 300. Faut que je fasse gaffe, c'est quand il y a des espèces de grosses bourrasques devant. Enfin, c'est là, éviter de se les prendre. Je me suis pris une claque au passage. Ok. Combien là? Encore du 300, merde. Ouais, ben j'ai plus tellement le choix. Bon, ben voilà, fin de la tempête, ça résout mon problème. Ok. Du coup, je suis toujours pas en jour, donc les animaux, il me manque. Habituel, le volant diurne et il manque deux terrestres. Deux terrestres, un volant. Mais casse-toi, toi. Le vaisseau, il est où? Là-bas. Merde, 600 mètres? Non, non, j'y vais pas. Ok, j'ai récupéré ça en attendant qu'il arrive. Faut que je retourne en journée. Hein. C'est chiant. Qu'est-ce que ça me casse les couilles le jour, hein. Le cycle jour-nuit là. 5 minutes le jour, 30 minutes la nuit, sans déconner. Et j'ai pas toujours pas scalé mes cailloux, hein. Sérieux. Pom, 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 pom. Je suis là pour ça, hein. Je suis venu sur cette planète pour ça, mais j'ai pas fait. Bah, en même temps, la mission n'est pas sélectionnée, donc c'est sûr que c'est pas évident. Il faut que je la sélectionne. Ok. Alors, combien? Je me suis posé plusieurs fois sur la planète. Tu devrais la reconnaître, non? Et j'ai pas vu un seul bâtiment là, c'est normal? Oh, vas-y, pose-toi, ça me saoule. Scanner de merde. Trois seulement. Ça devrait aller. Non. Qu'est-ce qui est considéré comme caillou? Il n'y a pas de caillou. T'es sérieux? Là. Là, forcément, deux. Ouais, d'accord, j'arrive. Ouais, bah c'est pas si facile de trouver des cailloux, on dirait. Ça, c'en est un, mais oui, je vais scanner. Essayer de repérer des petits, peut-être. Oui. D'accord. Il t'envoie sur une planète, est-ce qu'il y a des cailloux? Il n'y en a pas. Ça, c'en est un. Bah, dis donc. Ah, bah, dis donc. Allez. Deux terrestres et un volant.
D'accord. Normalement, on galère pas pour trouver des terrestres. De terrestres à volant, il manque. Je veux bien qu'ils soient annoncés comme rares, mais quand même. Les souterrains, je comprendrais qu'ils soient chiants à trouver, mais des simples terrestres. Quelle heure est 15h43, je crois que la nuit est tombée déjà. Ah, par contre, il y a plein de prédateurs sur cette planète. Même le volant, je trouve pas. Ouais. Avec tous les animaux qu'il y a partout, il n'y a pas ceux que je cherche. C'est quoi ça, du cobalt? Bon, bah ça me saoule. C'est chiant parce que c'est beaucoup de nanites en plus à la clé. Ouais, 2500. Ah, ça fait chier de laisser tomber quoi. Alors, laisse-moi voir un truc. Ouais, c'est sûr, quand j'ai les ventes, ça va faire du bien. En même temps, je me dis... elle m'empêche de rester un petit peu. Au pire, je me tape encore une tempête et je récupère des cristaux. Je suis pas si malheureux. Ah, j'en ai vu un. Où est-ce qu'il est? Putain, je vois. Là. Il est où? L'autre côté de la colline. Hein. Et comment ça se fait qu'il va si vite? D'accord, il y a ce truc là qui. C'est pouce-pouce. Teuf-teuf. Hé, teuf-teuf. Super. Un de plus. Ouais, je sais, j'ai entendu la toxicité. Merde, en plus, il m'en a bouffé deux. Ah, je sais, je me fais baiser par le jeu, là. Et le volant, j'ai toujours pas trouvé. Après, possible que ça vienne quand on pète, hein. Jette un coup d'œil. Allez, montre-moi les cristaux, s'il te plaît. Oh putain, je sais pas si ça vient de ma manette ou du jeu, mais ça me saoule là. Je rate tous mes sauts là. Il n'y a pas mieux. 215. Et regarde les animaux aussi. Bah non, les animaux.
Même le volant, mais non, en plus il fait nuit là. À 19h13, ah ouais, donc je m'en sors pas quoi. En fait, oui, je pense que la tempête elle arrive avec la nuit. Tiens, je me suis déplacé pour un seul, ça c'est pas cool. 302 par là, 200, il y en a au moins 2. Aussi regarder les animaux, hein, toujours pas. Non. 302 par là, 219. Lui, il a été scanné. Ah oui, bah oui. Voilà, si je me balade dans l'espace avec cette cargaison-là, je vais me faire attaquer direct. 221. Ah bah si je reste coincé dans les plantes, ça va pas le faire. Oula, un trou là. Eh, hey, ça peut pas être dans la grotte là, ce qui me manque. Non, ils auraient été marqués en souterrain au pire. Merde, je me déplace pour... Ah non, il y en a deux, ça va. Ah, je fais de la tempête, ça sert à rien d'y aller. Ok. Bon, ben, j'ai pas trouvé les animaux. Ok, bon, pff, ça me fait chier d'abandonner, merde, merde. Ouais, je laisse tomber, ça me saoule. Moi, c'est la nuit qui me saoule. Ça me gâche le jeu, moi. Il est loin, le vaisseau, encore. Attends, le jour, il reste même pas 5 minutes. La nuit, t'en as pour ouais, une bonne demi-heure, hein, largement. C'est saoulant, quoi. J'aurais dû l'appeler le vaisseau, ça me saoule. Ouais, non, mais ça m'énerve, c'est n'importe quoi leur truc. Allez, on dégage. Par contre, je suis prêt à passer à cette station-là, donc autant y aller. Et s'il y avait d'autres, là, comme planète. Un bleu perdu, ouais, t'as raison. Je prends. Bon, j'espère qu'il va être bien. Attends, il est pas à sa place. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Ben, il a un peu de tout, mais non, il n'est pas terrible. Mais c'est mieux que rien, j'ai envie de te dire. Mais il fait tout au moins. C'est déjà ça. Il a les quatre. Il a la flore, la faune et les minéraux.
et il a le rayon de scan, mais 6,5 c'est quand même pas top. Mais bon, on va faire avec, je vais pas chercher à m'améliorer sur cette partie, ça coûte trop cher, je vais pas prendre des risques. Pousse-toi, tu vois bien que tu gênes avec ton gros cul. Alors, à combien il me les reprend? Je vais pas les vendre à perte, à mon avis, il y en a pour beaucoup. Le gel instable, m'en fous, vas-y. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Moins 1%. Ouais, 1%, ça va pas faire grand-chose. Attends, je vais quand même regarder combien ça fait. Ouais, c'est incalculable. Ouais, vas-y, 1%, ça va, c'est correct. Je suis pas sûr que je sois beaucoup mieux. Il y a quand même 5 millions à récup, là. Allez, la viande, la chair cristal, le fruit. Oui, les données récupérées aussi. Voilà. Merde, ça monte pas, 129. Bah, allez, ça peut pas monter comme ça en 5 minutes, hein. Non, les moisissures, c'est pour le... Oui, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, j'aurais pu faire des cartes, ouais, tant pis. Oh, y a un bordel dans mon inventaire, c'est pas mon habitude. Qu'est-ce que j'ai? Extension du multi-outil, je crois que je peux pas. Tant que je l'ai pas monté, je crois que je suis au maxi. Quoique. Bah, si je peux, d'accord. Bah, allons-y, hein, évidemment. Hein. J'ai pas découvert de nouveaux emplacements, non. Ok. Pourquoi il veut pas? Pour les vider, mais il n'y a pas 150, il n'y a que 30. Qu'est-ce qui m'emmerde? Ok, on va aller voir en face. Données de navigation et un module de frégate. Ok. Qu'est-ce que tu as? Rapporte un objet, extension de multi-outil. Eh oui. Prédateur, je prends. 15 créatures, je prends. Oh ben, kit de réparation, c'est très bien. Ça, je prends. Tu fais chier, putain. Je sais plus ce que c'est, rapporter un objet. Vas-y, je vais la prendre, on verra bien. Elle m'empêche de l'annuler si elle me dérange. Ah, des nanites, chouette. Super. Je me souviens plus, il y en avait ou pas? Oui, il y en avait. Je les ai pris? Je me souviens pas les avoir pris. J'ai un gros doute. Je vais aller en face. Moi aussi, je pense que si je les aurais vus, je les aurais pris. Ouais, je vais dans le doute. J'y retourne. Ouais, je les ai pris.
Alors, rapporter un objet, livrer une marchandise, mais tu veux que je livre quoi? J'ai pas compris. Il m'a donné quelque chose? Livrer unité de positionnement autonome, et il me l'a donné? Bah, avec le bordel, là, qu'est-ce que tu veux que je trouve? Ouais, c'est ça, il me l'a donné, d'accord. Qu'est-ce qui... ça va mal se passer, non? Faut que j'y aille. On dit pas que c'est une simple livraison sur la planète en face, quoi. Non, ça va être un autre système. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être ici. Oui, voilà, autre système. D'accord, c'est le système d'où je viens en plus. Qui m'a envoyé à scanner les minéraux. Donc ce ne sera pas la peine que je retourne dans cette station. Par contre, c'est bien, ça fait des années que j'ai fait plus. C'est... Ah bon? Je sais pas si je lâche ça fait. Ouais, j'ai pas envie de combattre et d'abîmer mes technologies sur ta tranche. Allez, tu veux te battre? Eh ben bats-toi tout seul. Tire-toi des propres missiles. Pendant ce temps-là, je vais ranger ça. Oh, enfin, ranger, c'est vite dit. Au moins 25 fois. Et il m'a tiré à côté? C'est une plaisanterie là. Putain de jeu, mais c'est pas vrai. Oh putain, il y a l'autre qui se pose ici. Et il y en a qui va se poser là? Tu vas clairement te poser sur mon vaisseau si tu veux. Ouais, je sais pas quoi te dire. Moi. Si ça te fait plaisir, pose-toi sur mon vaisseau. Merde, et tout le monde atterrit au même moment. Hein. J'ai des caisses à récupérer tant que je suis là. Non, ah si, là-bas. Bah, ouais, si, les caisses aussi, quand même. Je récupère tout. Ah oui, ça, je m'en sers, un contenant d'antimatière. Je prends le Corvax, ce qui va me faire chier, mais bon. Il n'y a rien là-bas. Des fois, il y a trois barils là-bas. Ah ben non, il n'y a rien à scanner. C'est derrière la montagne, peut-être là. Il n'a pas pris l'animal. Pourquoi il ne le prend pas?
du gros tueur. Tu m'emmerdes. Putain, mais pourquoi je le prends pas? Ah, il était derrière la colline. Il les prend ou pas? Non, il les prend pas. Il est derrière la colline. En plus. Ouais, c'est juste, c'est chiant à faire. C'est sûr que c'est bon à prendre, hein. Je crache pas dessus, mais c'est chiant à faire. Sur cette partie, parce que le... Il prend pas des gros stacks, donc... Ah bon? Super. Vous m'en voyez ravi. Alors je monte, il n'y a pas d'autres animaux. Ok, go. Cool, hein, l'émission de livraison. Bon, à part que c'est jamais dans le même système, mais sinon c'est cool. Est-ce que j'ai gardé des trucs à revendre? Ça. Et ça. Ok. Tout ce qu'il y a. Et j'ai pris quoi, quelques boules seulement. Ok, allez, on va jeter un coup d'œil pendant la tempête si on a un peu d'animaux à scanner. Ça n'a pas l'air. Donc analysons ce qu'il reste. Reste toujours actif comme un. D'accord. Inhabituel volant diurne. Comme un. Oh, le poisson noir, c'est bon, ça me saoule. Dégage. Oh, ça me saoule la flotte là. La flotte, la tempête, la totale, là, c'est bon. Allez, nouveau système. Je vois bien une petite planète calme et tout pour chiller, mais c'est ce que je pensais faire ce soir, mais. J'ai pas vraiment trouvé une planète sympa. Sans tous ces merdes de météo là.
Il faut que je... non, j'ai pas envie, non. J'ai plus envie, pas ce soir. Hein. Pas sur des systèmes pirates aujourd'hui, et c'est bon. J'ai bien des systèmes un peu plus riches. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end. Allez, bye bye, ciao.